Nous te disons merci ce matin. Car nul n'est comparable à toi. Non seulement nous croyons dans notre cœur et nous acceptons ce fait. C'est pourquoi ce matin, nous élevons nos voix pour te dire merci. Car tu es le Dieu véritable, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi ton peuple se tient là ce matin pour te bénir, te louer et t'exalter. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul au siècle des siècles. Que le peuple dise amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Dis avec moi. Je suis le juste de Dieu. Je vis par la foi. Et parce que j'ai la foi, je mène le combat de la foi avec succès. Je vais achever ce que Dieu m'a donné de faire. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de foi, je n'ai pas peur de rencontrer les épreuves. Car à travers les épreuves, ma foi est exercée, ma foi me permet de dominer, d'avoir la victoire sur les épreuves. Merci Père, car tu es le Dieu intelligent. Tu savais que sans la foi, tout ce que tu allais me demander ne pouvait réussir. Tu ne m'as pas laissé seul. Tu m'as donné ta propre foi afin que je combatte le bon combat, le bon combat de la foi. Merci Père, c'est au nom de Jésus que je t'ai béni. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous avançons pas à pas et nous voulons progresser donc dans la parole de révélation. Nous avons vu plusieurs aspects de la foi. Je rappelle encore, Dieu me dit, le juste, celui qui a été sauvé, doit vivre par la foi. Doit fonctionner. Dans le royaume des cieux, il est impossible de fonctionner avec la chair. Dans le royaume des cieux, il n'est pas donné à l'homme pour dire. Si tu es citoyen du royaume des cieux et tu veux voir la prospérité du royaume des cieux, mon frère, ou bien tu prends les règles naturelles de gestion. On peut réussir dans ça. On peut avoir l'argent dans ça. Mais il dit que ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'au moment où il y a d'évaluation, au moment où il y a des problèmes, tu auras des problèmes. Mais on dit si c'est la bénédiction financière de Dieu, si c'est la foi qui t'a amené cette bénédiction, parce que Dieu t'a déjà béni
financièrement. Si c'est par la foi que tu as pris possession de la bénédiction de Dieu, Dieu te dit clairement, mon enfant, cette bénédiction financière-là, quoi qu'il advienne, elle ne sera suivie d'aucun chagrin. Et il faut que, parce que beaucoup d'entre vous, vous fonctionnez dans le naturel. On peut être riche dans le naturel. Mais les conditions naturelles aussi vont te créer des problèmes. Quand il y a la crise, tu as un problème. Écoute-moi. Alors, si ce n'est pas ça, comment dans une crise financière, une crise économique, Dieu dit à un homme appelé Isaac, ne regarde pas la situation. Sème. Et continue de s'aimer. Depuis ces jours-là, Isaac a commencé à vivre par la foi dans le domaine matériel et financier. Il n'est plus retourné dans le naturel. Souvent, vous commencez par la foi, vous restez dans le naturel. C'est ça qui vous crée problème. Lui, il a commencé quand rien n'allait. C'est pourquoi il ne pouvait plus reculer. Il a commencé quand rien n'allait. La pauvreté l'atteignait. L'échec, la faillite était là. Les circonstances négatives étaient là. C'est en ce moment-là que lui a commencé sa prospérité financière. Je te pose la question maintenant. Qu'est-ce qui peut l'arrêter encore? Puisqu'il a commencé où? À Singaye. Quand? Quand rien n'allait. Ok. Alors, chaque fois que Isaac rencontrait des épreuves, il utilisait quoi? La même foi qui lui a permis de démarrer là. Dans chaque épreuve, il utilisait quoi? La même foi. Quand ses ennemis sont venus, il utilisait toujours quoi? Est-ce qu'il a changé de méthode? Et c'est pourquoi il est passé de homme dans difficulté à riche, homme très riche, salanda en s'enrichissant, et à la fin, Dieu va utiliser le mot Rehoboth. Maintenant, si tu commences dans le naturel et tu prospères dans le naturel, dans les techniques de marketing, management, tout, tu as fait tout, c'est très bien. Brusquement, une crise économique arrive dans le pays. Dans la crise économique, il n'y a pas de solution naturelle. Tu n'as pas été habitué à utiliser la foi. Tu vas faire quoi? Voilà tes problèmes commencent. C'est les plaintes. C'est la fraude, c'est la corruption. Est-ce qu'en dénonçant la corruption, ça va te rendre riche? Est-ce qu'en combattant la corruption, ça va te rendre riche? On ne te demande pas de dire s'il y a corruption, s'il y a ceci ou cela. Tu es en train de tomber en faillite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir en haut? C'est ce qu'on te demande? Critiquer. Tu as trop de fraude. Il y a la corruption. Ça n'amène pas l'argent dans ta caisse. Alors aujourd'hui, nous allons voir le combat de la foi sous le titre Ne crains pas, crois seulement. Écoute très bien parce que regarde ce titre Ne crains pas. Ou bien quand tu dis Ne crains pas là, mais un autre mot que les gens utilisent beaucoup, ne crains pas, ne fais pas quoi? N'aie pas peur. Ok. Donc ne crains pas là, remplace ça par peur. Et la deuxième phrase là, crois seulement. Ça c'est, ou bien est quoi? Foi. Donc on voit deux choses. On voit à la première ligne, peur. Deuxième ligne, foi.
Donc, vous voyez les deux encore. Donc, dans le même homme, il y a les deux choses. La peur là vient de quelqu'un. La foi là vient de quelqu'un d'autre. Et là, les deux éléments se présentent à toi. Et le Seigneur te dit maintenant, fais le choix. Sois le médiateur. Sépare les deux personnes là. Toi-même, tu n'as qu'à faire un choix. Écoute-moi très bien. La foi vient de ce que j'entends. Ça, c'est lié à Dieu. La peur vient de ce que j'entends aussi. Ça vient de qui? Ça vient de qui? Satan. Donc, d'un côté, tu as Dieu. L'autre côté, tu as qui? Satan. Satan te dit, écoute, tu entends. Tu as entendu ce que le docteur t'a dit, que cette maladie-là, on ne peut pas. En ce temps, Dieu te dit sa parole. Dieu dit, il faut le départager. Départage-moi et Satan. Tu es notre arbitre. Où? Je suis digne de confiance. Tu t'appuies sur ma parole et tu résistes à la parole de Satan. Ouh, je ne suis pas digne de confiance. C'est Satan qui est digne de confiance. Donne-moi le dos, mais Satan va t'amener à la mort. Moi, je t'amène à la vie. Lui, il t'amène à la mort. C'est pourquoi Josué et Moïse sont arrêtés. Il dit, je mets devant vous la mort et la vie. Choisis là. Écoutez, frère. Écoutez-moi. On est entré dans la phase pratique de la foi. Alors, frères et sœurs, ne crains point, mais crois seulement. La peur vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, ce qu'on entend de qui? La foi, ce qu'on entend de Dieu. La peur, ce qu'on entend de Satan à travers ses agents patentés. Et ça, tu dois comprendre. Mon frère, ma soeur. Ce passage, on le tire de Marc 5:36. Jésus était arrivé dans un endroit. Et il y a un homme appelé Jairus qui est venu le voir, que sa fille est en train de mourir. Et maintenant, au moment où ils allaient là, quelque chose va se passer. Je vais le sauter et je vais lire le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles que quelqu'un vient de dire là, dit à Jairus, le chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement quoi? Jésus demande à Jairus de croire, mais croire quoi? Premièrement, Jairus doit croire verset 22. Verset plus la Yiba. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui ayant aperçu Jésus se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. La pousse à Jésus en pierre à Jésus maintenant. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ma petite fille, c'est-à-dire que la mort est déjà, elle a
les pieds dans la mort. C'est ça qu'on appelle à l'extrémité. Et Zaïrus et sa femme, malgré leur position religieuse, ont décidé de quitter leur trône religieux là pour aller à Jésus. Et ils ont reconnu que Jésus est réellement ce qu'il dit qu'il est. Puisque tous les chefs de synagogue avaient dit que quiconque reconnaîtrait Jésus comme Messie serait exclu. Pour que Jairus vienne, ça veut dire qu'il s'est renié lui-même, il a renié la décision qu'ils ont prise ensemble avec les autres chefs de synagogue. Il y a des choses que parfois vous devez rejeter. Par rapport à ce que votre environnement vous dit. Si vous voulez réussir, avoir du succès, vous ne devez pas vous laisser emballer dans des choses bizarres. On a décidé au grand conseil des chefs de synagogue que quiconque va reconnaître Jésus sera excommunié. Écoutez-moi, frère. Et Jairus était là-bas, il a levé la main, il a voté, il a pris part au vote. Maintenant, voici un problème qui arrive dans la maison de Jairus. Écoutez, pour que vous puissiez discerner les choses venant de Dieu. Ce monsieur est confronté à une situation. Il voit sa fille en train de mourir littéralement sous ses yeux. Il s'assoit, il regarde à sa situation de notable religieux. On va voir. D'abord, sa tête s'opposait. Moi, je suis sûr que sa femme qui l'a encouragé. Parce que les femmes sont plus compatissantes que les hommes. L'homme, à cause de son orgueil, peut laisser son enfant mourir, alors que la femme jamais ne va permettre cela. Je suis sûr que c'est la femme qui a dit au mari. Tu vois la décision que vous avez prise là. Où sont tes autres camarades chefs de synagogue là? Ta fille est en train de mourir. Ils n'ont pas de puissance pour nous aider. Et on a entendu qu'il y a Jésus là. Partout le bruit court que les gens sont guéris. Mais à cause de la fierté religieuse, pour plusieurs qui nous regardent actuellement, à cause de la fierté religieuse, la persécution, vous ne venez pas. Et ta fille en train de mourir. Mon mari Jairus choisit entre ta raison et ton cœur. Car je sais que ton cœur croit que Jésus, s'il vient ici, il va guérir notre fille. Mais ta tête de chef religieux refuse de l'appeler parce que ce sera une honte. Il dit, mon mari, quand ta fille va mourir, quand les chefs religieux viendront te saluer, ils vont aller. Il va rester toi et moi. On va continuer à pleurer ici. Là. Qu'est-ce que ça va nous donner? Le mari était touché. Parfois, les femmes doivent insister avec leur mari. Parce que la fierté des hommes les amène à la mort rapide. Et si vous ne les insistez pas, vous les laissez, ils vont vous créer des problèmes. Les hommes n'aiment pas s'abaisser rapidement. Alors, Jairus, il a un problème. C'est que Jésus n'est pas seul.
Jésus n'est pas seul. Jésus pas bien. Il y a une foule autour de Jésus. C'est pas comme Nicodème. Pas comme Nicodème. C'était la nuit. Il y a une lune là. Donc les gens étaient partis. Jésus était seul à la maison. Lui il a pu se glisser la nuit. Mais sa fille est en train de mourir. La nuit est pour le qui. En plein jour. Il y a une tour d'or. S'il attend la nuit, ça sera trop tard. Mais il y a la foule aussi. La nuit va mettre bien à Jésus. Jésus s'est assis. Jésus. Il y a une lutte. Il se lève. Quand il s'en va, Satan lui dit, un chef religieux ne part pas dans des groupes comme ça où il y a trop de bruit. Ne part pas. Hein. C'est la honte. Un homme respectueux comme ça. Regarde ta robe blanche là. Regarde ta ceinture rouge. Regarde ton chaussier là sur ta tête. Quand tu pars dans la rue, tout le monde fait assalam alaikum. Jairus dit, c'est vrai, hein? Il veut retourner pour aller. Mais s'il retourne pour aller, il va aller trouver qui? Sa femme est qui? L'enfant là quoi? Ah! Il s'est retourné pour partir. À la fin, Jairus a fait quoi? Il a dit, Choko, je vais aller. Il a pris son courage à deux mains. C'est ça, frère, qui est très important. Ça veut dire qu'il a eu la foi. Il a entendu que Jésus guérit. Ça a provoqué en lui la foi. Et il a pris le chemin de la foi. Première chose, la foi va combattre contre votre chair d'abord. Première étape, votre chair, votre fierté va s'opposer à votre foi. Maintenant, ils sont sur la route. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Donc, ta foi, Jairus, vous voyez bien, ta foi, c'est que moi j'aille. J'impose les mains sur ta fille afin que ta fille soit sauvée pour la et sauve la vie. La femme, oui. Si c'est ça ta foi, allons. Vous entendez? Si c'est ça ta foi, sur la route de la foi, tiens sur le jour, tu vas rencontrer les adversaires de la foi. La foi a des adversaires. C'est pourquoi on dit le bon combat de la foi. Quand on dit combat, ça veut dire quoi? Il y a un quoi devant toi? Adversaire. S'il n'y a pas de combat, est-ce qu'on peut dire adversaire? Est-ce qu'on veut pas de combat? Écoutez-moi, frère. Premier élément, vaincre ta fierté. Ta position. Ta position. C'est ça qui tient beaucoup qui nous regardent actuellement. Ils veulent venir, mais ils ont des positions politiques, des positions militaires, des positions sociales. Ils ont toutes sortes de positions. Ils ont honte de vaincre ça. Et c'est pourquoi ils ont des problèmes. Nous sommes deuxièmement, maintenant, sur la route de la foi, ce qu'on a vu, le verset 36 et verset 35. Au moment où il partait, avec Jésus, l'auteur de la foi, écoute-moi, avec Jésus, l'auteur de la foi, tu commences la vie chrétienne toujours avec Jésus, l'auteur de la foi. Écoute-moi maintenant, ils sont en train de marcher. Comme il est collé à Jésus, là, sa foi est où? Sa foi est au top niveau. Parce qu'il est connecté à qui? Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Oui ou non? Est-ce qu'autour de Jésus, il peut avoir doute? Il peut avoir incrédulité? Il est content. Mais de l'extérieur maintenant, l'ennemi peut rester à l'extérieur, t'envoyer des flèches. Attention, hein, les péchés, ce n'est pas des flèches. Hein. Quand on dit flèche, donc c'est pourquoi l'autre jour, j'ai commis adultère. Adultère, ce n'est pas une flèche, c'est un péché. Voilà. Je dis ça tout de suite. Les gens aiment des choses comme ça. J'ai des épreuves, pasteur. Quelle est ton épreuve? J'ai volé. Ce n'est pas une épreuve. Tu es un voleur.
Un volet va là, Mako. Cognac, il y a même toujours. Moi, je vais voir, mais je vais te Mako. C'est pas une épreuve. Il n'y a pas Mako. Inventer des choses comme ça. Il va te mener à l'autre. Je travaille des problèmes. Tu es dans le péché. Faut bien y aller. Et le péché, on se répand. On se répand. Et quand on se répand, Dieu est fidèle et juste pour faire quoi? Pour te pardonner et faire quoi? Il purifie. Ce n'est pas difficile. On ne lutte pas contre le péché. On dit le péché. Mais contre la chair et contre Satan, c'est autre chose. Le péché, c'est facile pour Dieu. Tu avoues seulement. Alors, Jairus avance. Il avance. Je suis en route. Je suis en route. Il dit aux autres chefs de synagogue, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Brusquement, une parole est envoyée par Satan. Satan a tout ma gomme. Tini neda to zakaponwa. Satan est comme ça. Satan a tout ma auto. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Et la bonté tient pas zabre. Il se présente pas, hein. A pas wata menga to. Mais c'est que si se présente. Amim ta hawa. Devant Jésus, il va te dire. Jésus ta la nawa. Il utilise un autre homme. A tout le tout ma nela. Qui vient d'où? Nyiye. De la maison de qui? Kan zakin, zelu zakin. Il vient du tombeau? Ayi yar la. Tu se remet les. Un démon qui est venu? Ya zini wala. C'est un démon qui est venu. C'est un ennemi qui est venu. C'est quelqu'un qui est dans la maison de qui? Quelqu'un que Jairus. Et qui connaît la fille de qui? Et qui sait que la fille de Jairus est presque morte, oui ou non? Si une personne vient te parler comme ça, tu peux douter. Tu peux douter. Voici comment Satan fait. Il fait venir quelqu'un de la maison. Il court. Ça va où? Dès qu'il arrive, il dit Jairus. Andate, Jairus. Ce n'est plus la peine d'importuner le maître. Ta fille vient de mourir. C'est fini. Sam. Ta situation est gâtée. Faut y aller Sam, Sam. On vient de retirer le marché. Ah. Mais pourtant mon dossier était bon. Laisse tomber que ton dossier était bon. Bah, faut deux heures à ce lui. Ça c'est naturel ça. Ni un ni ça le marab. On t'a retiré le dossier. Après, il y a marché. Vous voulez. Non, pourtant quoi? Là, il y a un yaou. Et tu commences à être négatif. Dans ce pays-là, même, ça ne va pas. Tu es en train de tout gâter maintenant. Faut sam de fin, faut sable, faut sam. Faut te paralyser. Faut commander, mais. Parce que de ta bouche vient la vie et là. Oui, mais il te quand tu es dans ce pays-là, ça ne va pas. Tu viens de gâter les autres marchés pour toi. Faut être sam, marche à ta foyer. Désormais, tous les autres marchés disent. Le type a dit que. On ne peut pas réussir. Donc les autres marchés se ferment devant toi. Vous ne comprenez pas ça. Et vos affaires, votre finance commence à partir. Puisque vous dites, hein, si vous dites, ah, mais on ne comprend pas. La dette intérieure de Burkina est trop élevée. Bon, on ne comprend pas. On doit payer les impôts. Et puis, hey, quel est ce pays-là? Mon ami, Dieu va dire au trésor de fermer. On va payer tout le monde sauf toi. On ne parle pas mal contre son pays. On ne parle pas mal contre son trésor. On bénit le trésor. On dit au trésor, reçois l'argent. Et paye mon argent. On vous dit ça, vous croyez que c'est amusant. Vous voulez jouer dans le naturel. Pas de problème, c'est pourquoi je ne parle plus beaucoup à les gens. Vous voulez jouer au naturel. Le naturel ne va pas aller. Dans le naturel, si tu ne connais pas quelqu'un là-bas, qui va te payer? C'est le problème des gens. Dès qu'on a dit à Jairus, il ne faut plus fatiguer le maître. Tu sais, depuis le matin, il travaille là. Il faut laisser tomber. Le cas là est insoluble. Quand il a dit ça, Jairus disait, si tu ne viens pas, quand il a entendu ça, est-ce qu'il a continué la suite? Son visage a fait quoi? Son visage a fait quoi? Quand Jésus l'a regardé, Jairus, il est de ton champ. La foyer là en qu'elle a pas base. Est-ce qu'il peut parler encore? Allez ten yile moi gomme. Jésus commence sur son chant. Jésus singa yile. Jésus a arrêté son chant, Jésus commence son chant. Jésus yale ça allez ten Jésus singa. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais là Juliette. Ne crains point quoi seulement.
Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde, regarde à ton Sauveur. Il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Le combat de la foi. Il y a un adversaire. Et la première arme de l'adversaire, c'est la peur. La pipi zap tio zap tio. Parce que la peur est aussi forte que la foi. La Bible me pense ma la peur, c'est la foi dans Satan. Il y a tiens sur dans les circonstances, dans les choses naturelles. La foi, la tiens, c'est la confiance en Dieu qui est en sa parole. La nous on de pourra. C'est toi l'arbitre. C'est toi qui dois à la fin du combat lever la main de Dieu en disant voilà le vainqueur. L'arbitre de la boxe. Quand les deux boxeurs ont boxé, c'est pas le vainqueur ne peut pas lever la main. Qui lève la main du vainqueur? C'est l'arbitre. Il tient, il dit voilà le vainqueur. C'est toi, chaque fois, qui dois lever la main de Dieu. Avant de commencer le combat, tu lèves sa main. Pendant le combat, tu tiens sa main levée. À la fin du combat, tu élèves sa main encore. Sortez du naturel. Cela veut dire quand Jean-Baptiste a dit, il faut que Jésus fasse quoi? Et qu'il lui fasse quoi? Jean-Baptiste est le naturel. Jésus est le spirituel. Donc il faut que le surnaturel grandisse dans ma et que le naturel fasse quoi? Vous voulez votre naturel et votre spirituel ensemble. Ils seront dos à dos. Tout le temps, il y aura match nul dans votre vie. Match nul. Tu n'avances pas. Il y a prolongation dans le non, tu as déjà vu une médaille pour match nul. Il faut jouer une médaille pour match nul. C'est quelle médaille? Il y a une médaille pour. Il n'y a pas de médaille pour le match nul. Match nul, médaille Kaiwa. Il n'y a pas de médaille. Médaille Kaiwa. Tu n'as pas gagné. Probable. C'est ça. Y aller ouais. Jésus dit à Jairus. Jésus est là, Jairus. Jairus. Jairus, ben. Quand tu es venu me voir là, qu'est-ce que tu as dit? Faut y aller, faut y aller me témoigner. Tu as dit, viens. Faut y aller, ouais. Impose les mains pour que ma fille soit sauvée et vienne à la vie. La vie. Il dit, mais continue à croire ça. Quel inquiétant, c'est la témoin. Pourquoi tu veux changer? Mais il faut attendre une seule seconde. Pourquoi vous voulez changer? Mais tu aimes attendre une main. Vous commencez et puis vous changez. Parce qu'il y a un problème. Mais sur la route de la foi, il y a des adversaires de tout genre qui se présentent. Il y a la maladie qui est un adversaire. Il y a l'échec qui est un adversaire. Il y a la pauvreté qui est un adversaire. Il se présente devant toi. Mais si toi tu abandonnes le combat, tu ne vas pas arriver au bout. Faut pas n'entendre quoi. Tu ne vas pas arriver au bout. Faut pas n'entendre quoi. Est-ce que nous comprenons ça? Ligne rouge ne avance. Frères et sœurs. Mais pour la mabrapa. Vous voulez prier quoi? Et si là, est-ce que Jairus peut prier? Il va faire quelle prière? La seule prière, oh Dieu, tu ne comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Mais pourtant, moi, j'ai dit, je crois. C'est ça la prière? C'est la prière? Quelle prière va faire? La Jésus lui dit, Jairus, ne crains point. C'est de quoi? Mets la peur au quoi? Résiste à quoi? Et continue de. Quoi? Ce que toi-même tu as dit là, continue de croire ça. Continue de croire ce que tu as dit là, ce que tu es venu me voir là. Quoi ça? Si tu changes, il n'y aura pas de victoire. Le monde a les mêmes combats, toi tu as les mêmes combats. Le monde couche chez les féticheurs, oui ou non? Pour les aider. Le monde couche chez les gris-gris. Tout le monde a combat. Combat de la foi, tout le monde a combat. Donc tu comprends?
C'est des choses importantes que tu dois saisir. Yabuni intérieur, faut dire que voir ça mal sort. Ne crains point. Da yaisé. Résiste à la peur. Qui est sera bima. Da sac. La plupart d'entre nous ici. Ton ne vous au cas. Vous avez la foi. Et ta tient bien là. Mais les paroles qu'on vous dit. Ce que vous voyez avec vos yeux, les circonstances, les symptômes, les douleurs, la crise économique, la situation sociopolitique, vous êtes lié à ça. Et vous oubliez qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône de la foi. Qui n'est pas ébranlé par les problèmes économiques ni les problèmes sécuritaires. À la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a voulu attaquer l'Angleterre, il a attaqué, il y avait un premier ministre là-bas. Ce premier ministre a dit, premièrement, Hitler a vaincu la France, il a envahi les autres pays. Parce qu'ils ne mettent pas leur foi en Dieu. La Révolution française a dit qu'il n'y a pas Dieu, c'est la raison. Raison pour raison, la raison des Allemands est plus grande. Donc, maintenant, leur pays est occupé. Le premier ministre anglais a dit quoi? Toute l'Angleterre va faire quoi? Jeûner et prier pour faire appel à Dieu. Lisez dans l'histoire. Hein? C'est écrit dans l'histoire. Quand ils ont jeûné et prié, les avions allemands sont venus. Londres, on ne peut pas voir Londres. Puisqu'ils n'ont pas de radar à l'époque. Les nuages ont couvert tout Londres. Ça ne savent même pas où se trouve Londres. Pas mis Londres, mais la population anglaise était étonnée. Ils ont crié à Dieu pour implorer, invoquer le Seigneur. Bon, il a pu bombarder dans certains endroits. Mais pas Londres. La pas Londres, bah, pas Londres. Mais dans cet endroit où il a pu bombarder là, il y a le témoignage d'une chrétienne. Chrétienne pas qu'un cas certain. Quand on sonne les bruits des sirènes là. Sirènes va bourre man. Tout le monde court dans les souterrains. Ne va pas autant qui est bourre dans des terrains. Souterrains anti-bombes. Allez tu bombes pas tes pousses. Mais les voisins de cette femme là. Pour qu'un gars y a ça. Une femme âgée. Dit, hey, on t'attend. Viens vite, elle dit qu'elle rentre pas. Ou attends, elle dit pas qu'elle rentre. Mais tu vas mourir. Comment tu vas faire? Namana. Elle dit, mais elle dit, écoutez. Quel remarque? Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, n'a besoin de moi. Hein? Oui, n'a besoin de moi. La Bible dit, oui, n'a besoin de moi. Il y a Dieu et moi. Oui, n'a besoin de moi. Dieu dit, oui, n'a besoin de moi. Que lui ne veille et lui, il ne sommeille ni ne dort. Bampa gouin. Alors, si Dieu ne dort pas, oui, n'a pas gouin. Il ne sommeille pas. Pas et il veille sur moi. Pourquoi moi je vais veiller? Moi je fais quoi? Dis je dors. Et quand je dors là, il a dit que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Que je dorme dans un souterrain ou je dorme en l'air ou est-ce qu'il y a problème? Le veilleur de nuit dit que lui il me protège. Quand la guerre est finie, son témoignage était partout en Angleterre. Il a élevé Dieu. La peur, tu vas le voir tout à l'heure là, va empêcher les meilleurs médicaments de fonctionner dans ton corps. Les médicaments ne peuvent rien faire contre la peur. Tu comprends? Alors regardons un peu. C'est le premier élément pratique qu'on voit aujourd'hui. L'adversaire de la foi. L'adversaire de la foi. C'est important que tu comprennes cela. Dieu nous a dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Ça dans Éphésiens 1:3. Et il a dit dans Proverbes 10:22 que la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Tout ça, c'est vrai. Mais alors pourquoi il n'y a pas cette bénédiction là dans ta vie? C'est dans chaque domaine de ta vie que dont Dieu parle. Dieu ne parle pas d'un seul domaine. Il ne faut pas dire que moi je suis en bonne santé. Tu es en bonne santé, tu es pauvre comme Job.
Job, quand il a tout perdu, hein. Ta bonne santé là te donne quoi? Tu as une mentalité, tu crois que la bénédiction de Dieu seulement sur la bonne santé. Tu gagnes la bonne santé, mais tu es dans la misère. La bénédiction de Dieu s'établit. Regarde bien, la bénédiction de Dieu n'a pas été après. Les gens croient que la bénédiction de Dieu, c'est pour avoir des choses. La première fois que Dieu a, la première parole que Adam a entendue, c'est où? Adam Genèse 1 combien? Quand Adam a été créé, Adam, la première parole qu'il a entendue de la bouche de Dieu, c'est quoi? Je te bénis. Et sois fécond, la roue, multiplie, fire, remplis, pidi, assujetti, sauve, et domine. La c'est ça la bénédiction. La tous les domaines. Dites-moi pourquoi. C'est pourquoi l'homme est en train de dominer encore. Et soumet toute la terre. Dieu avait seulement fait un petit jardin qui était du côté de l'Irak. Qu'on appelle le jardin d'Éden. Mais le reste de la terre était vierge. Dieu dit à Adam et Ève, sur la terre là, il faut répliquer ce qui est dans le jardin là. Sur le reste de là, je veux que le reste de la terre comprenne qu'il y a un Dieu sur terre. Et c'est toi, Adam. Donc c'est pourquoi tu vas dominer les animaux qui sont avec toi. Dans le reste de la terre, il n'y a pas d'animaux. Sur le reste de la terre, il n'y a pas d'arbres. Je comprends très bien. Lis la Bible. C'est au jardin d'Éden seulement. Il y a tous les arbres fruitiers. Il y a tous les animaux. Donc, tout devait se multiplier à partir de lui. Et ils doivent répliquer ça où? C'était le travail d'Adam. D'étendre le royaume des cieux sur toute la terre. Est-ce qu'il l'a fait? La bénédiction, ce n'est pas une affaire d'argent. Est-ce qu'Adam a utilisé l'argent? Adam l'a dit, est-ce qu'il connaissait de l'argent? Adam est-ce qu'il y avait directeur général? Directeur général Bimla. Il était roi. Adam. Directeur général, c'est inférieur. Là. Directeur général Bétengaro. Moi, je suis roi. M'yalimka. Toi, tu veux devenir directeur général. Adi, toi, tu veux devenir ministre. Adi, moi, je suis roi. M'yalimka. Je ne suis même pas président, je suis roi. Je ne pas président, M'yalimka. Vous ne croyez pas, c'est pour ça que vous voulez prier. Quand je parle, vous me regardez, vous grattez vos têtes. C'est incrédulité. Quand à l'école, quand on te pose des questions, tu ne comprends pas. L'école, c'est faux, il faut pas me la faire. Quand tu vois les enfants gratter leurs têtes à l'école, ça veut dire que soit ils ne croient pas ce que le maître a dit ou bien ils ne comprennent pas. Voilà, à part où je chaque fois que je parle de comme ça, là, je sais que tu ne comprends pas, tu refuses. Ami, il ne faut pas me voir. Donc, il faut plus garder ta tête devant moi. Là, ça, je suis mon ami. Vous savez? Tu te regardes, hein? Je te regarde. Écoutez, frère. Quel rien, baby, ici? La vie chrétienne. Putain, oui, ma. C'est pas des actes. C'est pas des. A pas tout, ma, pas joué ici. C'est pas des choses qu'on fait. Adam n'a rien fait. Adam, bon, là, Adam, man. Rien. Bafi. Rien. Adam, pas man, bafi. Dieu lui a donné la capacité de se reproduire. T'as libre en train de faire. Simplement. C'est ça que Dieu nous dit. C'est ça la bénédiction. C'est ça que Dieu dit. Il est béni là. Ce n'est suivi d'aucun chagrin. Alors, si tu comprends ça, si tu ne comprends pas ça, tu vas être lié tout le temps aux choses de la terre. Dieu va te donner ça. Mais ça ne va pas te profiter. La banane faux, ouais. Parce que ces choses-là sont passagères. Elles sont passagères. Tout ce que Dieu n'a pas créé là est passager. Là où on a con, il y a ça. Tu peux la voir. La main que tu l'as eue là. Comme ça a un commencement, ça aura quoi? Une fin. Tout ce qui vient de Dieu, comme Dieu n'a pas de commencement, tout ce qui vient de Dieu n'a pas de fin. Mais tout ce qui ne vient pas de Dieu a un commencement. Tout ce qui a un commencement aura quoi? Il faut avoir la révélation. Il y a trop de chrétiens naturels à tous les niveaux. Naturel. Mon frère,
La peur te met en contact avec le monde satanique, que tu veux ou pas. Parce que la peur fait partie de sa nature. Aujourd'hui, je insiste sur la peur. Après, on va voir les autres éléments. Tu vas te rendre compte pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Malgré la foi et la bénédiction que Dieu a prononcée sur toi, la peur vous met en contact avec Satan et avec la malédiction. La peur est un esprit qui contrôle vos pensées en créant en vous des inquiétudes pour le lendemain. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, je ne comprends pas. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de timidité. L'esprit de peur, de timidité ne vient pas de Dieu, Timothée, ni enfant de Dieu. L'esprit de peur vient de Satan. Écoutez-moi, frères et sœurs. Regardez dans Matthieu, quelles sont les peurs que les gens ont. Matthieu 6, verset 34. Matthieu 6. 34. Matthieu 6, 34. Regarde attentivement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Peuple de Dieu, écoutez-moi s'il vous plaît. Pourquoi tout le temps vous êtes inquiet pour le lendemain, votre futur? Pourquoi vous ne vivez pas la suite du verset? Laissez le verset. Je vais te montrer quelque chose. Car le lendemain aura soin de lui-même. Mais à chaque jour suffit ça. Ok. Dieu te dit, tu as trop de problèmes. Regarde tes problèmes. Parce que tu es tout le temps préoccupé par demain et le futur. Tu n'es pas sûr d'arriver à demain. Au lieu de contrôler aujourd'hui, toi tu veux contrôler demain qui n'est pas encore arrivé. Tu te mets sur quoi? Sous tension. Les petites filles de 5e s'inquiètent de qui va les marier. Elle est en 5e au lycée. Elle est en 5e lycée. Moi, vous voulez qu'elle étudie? Fille de 5e. 5e, mais pour là. Qui sera mon mari? Est-ce que nous-mêmes, on aura des maris encore? On voit nos grands soeurs dans l'église là. Elles ont 30 ans, n'ont pas de mari. Nous, comment on va faire maintenant? Est-ce qu'on t'a dit que ta vie est liée à tes grands soeurs? Donc, est-ce qu'elle peut étudier encore? Tu n'es pas arrivé à l'âge de mariage. Et tu t'inquiètes. Regardez, qu'est-ce qui vous bloque? Regarde. Verset 31. Frère, c'est ça qui fait que votre foi n'avance pas. Vous préoccupez demain comment l'entreprise va aller. Est-ce que demain, est-ce que vous allez être vivant demain pour voir votre entreprise? Laissez l'entreprise. À chaque jour suffit ça. Chaque jour, tu t'assois, tu manges, tu rends grâce à Dieu et tu es au repos. Mais toi, tu as mangé aujourd'hui. Tu as bu aujourd'hui. Tu as dormi aujourd'hui. Tu t'inquiètes pour demain. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Et pourtant vous dites. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? La suite. Comment nous allons nous marier? Quel travail on aura? Le pays a toutes ces choses. Il n'y a pas de travail dans le pays. Quel est le mari qu'on aura? Il dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Alors que dans vos groupes de prière, c'est ça que vous partez. Ce que Dieu dit n'est pas dire là, ce que vous partez dire à ces gens-là, je m'inquiète. Ma soeur, ça ne va pas. Hein? Mes enfants n'ont pas de travail. Dieu dit ne pas dire. Toi tu dis, elle peut faire ça quoi pour toi? Elle-même qui est assise là. C'est Jésus qui nous parle. Ne vous inquiétez, ne vous mettez pas sous tension. Et ne dites pas. Il dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter à la durée de sa vie une seule coudée?
Dieu vous met au défi que si vous ne faites pas attention, il vous tue dès demain. Vous ne verrez même pas demain. Si vous continuez à le défier. Continuez à le défier. De qui? Quand ça va? Vous ne vous êtes pas créé. Et vous voulez vous inquiéter. Quel habit on aura? Quel travail on aura? Est-ce que tu es arrivé à l'heure de travail? On dit à chaque jour, suffit. Satan, la peur, c'est quoi? La peur. Écoutez, j'ai noté, la peur vous montre toujours un futur irréel. La peur vous amène à voir ce qu'on appelle des mirages. Qu'est-ce qu'un mirage? Quand vous avez soif, vous allez en brousse. Quand on partait au champ, et le soir on revenait des champs, les champs étaient loin du village. On a faim et soif. Comme on a soif là, on veut arriver vite à la maison. Comme on était enfant, il y a des mots, on voit sur la route là-bas au loin, on dirait de l'eau. Oui ou non? On dirait de l'eau. Alors on court. Plus on court, plus l'eau là fait quoi? Au début on ne comprenait pas, on dit mais... L'eau là c'est loin, hein. C'est pas de l'eau, ce qu'on appelle mirage. Votre futur est un mirage. C'est la brique d'aujourd'hui. Il faut poser la brique de foi aujourd'hui. Et demain, tu prends l'autre brique. Aucun architecte n'a construit une maison solide par la foi. Le dessin vient par la foi. Mais pour que le dessin ne devienne un bâtiment, c'est chaque jour qu'on pose des briques les unes sur les autres. Si on est arrivé au chaînage, écoutez, ils sont arrivés au chaînage. Le maçon dit, demain on va couler quoi? Le béton. Est-ce que par la foi, il va venir s'arrêter, dit maintenant, chaînage, au nom de Jésus, sort, ça va sortir? Votre vie là, la prière ne peut pas faire ça. Vous voulez faire des choses que la prière ne peut pas faire. Poser les briques de la foi. Ça suffit. C'est comme. Dieu n'est pas un magicien, les magiciens vous trompent. Pourquoi vous inquiétez? Le soir, pourquoi vous vous couchez, avant de vous coucher, vous ne prenez pas votre entreprise et remettez entre les mains de Dieu. Merci Seigneur pour ce qu'on a eu aujourd'hui. Non, vous vous inquiétez. Téléphone à gauche, à droite. Hey, mon ami, et toi, ta situation là? Toi, tu parles à un païen. Un païen peut te donner la foi. Un païen peut te donner la foi. Un païen peut te donner la foi. Il y a quoi? Il y a un païen. Je suis allé au trésor là. Trésor, là. Il te dit, mon ami, il ne faut plus aller là-bas. Il ne faut même plus aller là-bas. Il va te parler. Parle. Il ne faut plus aller. Dans les gens là, non, ils ne valent rien. Toi, tu t'assois à quelqu'un qui dit que les agents du trésor ne valent rien. Demain matin, écoute-moi, tu vas au même trésor, Dieu va fermer la porte. Le gars va te répondre mal. Parce que tu l'as déjà condamné qu'il ne vaut rien. Vous ne comprenez pas le système de la foi. Il faut arrêter. Celui que vous condamnez là, demain, il faut ouvrir la porte devant vous. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous critiquez votre pasteur. Là, nous disons, pasteur, il faut prier pour moi. Pasteur, il vous donne d'eau. Vous êtes fâché. Tu as oublié qu'avant-hier, il a déjà insulté. Comment un pasteur insulté peut être profiteur pour toi? Pasteur, il te regarde même pas. Dieu fait qu'il ne te regarde même pas. Ça soit insulté, critiquer les pasteurs. Si c'est faux, fais-le à ta maison. L'endemain, viens voir les pasteurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a ri avec toi hier. C'était bien. Aujourd'hui, critique. Tu verras demain ce qui va se passer. Il n'a pas entendu, mais son Dieu a entendu. Son Dieu fera qu'il va te donner d'eau. Si c'est faux, essaie. Tu crois que c'est faux? Essaie-le. Jésus dit,
Vous inquiétez pour manger et boire. Il dit chaque jour ça suffit. Rendez grâce à Dieu aujourd'hui. Remerciez le Seigneur aujourd'hui. Là où vous avez arrêté votre entreprise là. Vous n'avez pas pu vendre des marchandises. Ça n'a pas été vendu aujourd'hui. Remerciez Dieu pour ce que vous avez vendu. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Votre riz est resté. Vous plaignez pour le riz, le riz est resté. Et vous ne vous rendez pas grâce à Dieu pour le riz que vous avez vendu. Votre riz va pourrir dans votre La foi remercie Dieu. Même Dieu a construit le monde en 6 jours. Dieu n'a pas inventé le monde. Chaque jour, il faisait quelque chose. Quand il a fini maintenant, il a créé l'homme. Cela est très bon. Vous croyez que quelqu'un peut être dans une maison pour à prier pour vous, votre vie va changer. Et sans la foi, votre mari va changer. Votre femme va changer. Et vous ne faites pas votre part. On amène le brique de la soumission à ta femme, à ton mari. Tu n'amènes pas la brique de la soumission. Dieu dit, ton mari ne sera pas converti. Ma fille, sois sûre, ton mari ne sera pas converti. Ton orgueil là, parce que tu es diplômé, tu es docteur. Tu es ingénieur. Dis à ton mari, tu es ingénieur, je suis ingénieur. Voici mon pied, voici mon pied. Dieu dit, mets la brique de la soumission. Tu refuses ça. Ton mari restera. S'il meurt, Dieu va te demander son sang. La foi. La foi prend les briques. De la parole. Donne à Dieu. Le bâtisseur. Et il bâtit ta vie. Les jeunes gens là, vous avez été élevés dans des familles traditionnelles, vous voulez commander vos femmes. Ah non, non, chez moi, ma mère, ta mère, c'est ta mère. C'est pas ta mère, c'est ta femme. On va à l'église ensemble là. Fais ce qu'on te dit à l'église. Tu ne sais pas la peine qu'on parte à l'église. Ne perds pas mon temps. Dis à votre mari. Arrête là. Tu vas à l'église pourquoi? Tout ce qu'on dit à l'église, toi, tu fais le contraire. Tu perds ton temps. Regarde, c'est qui a, regarde un homme appelé Job. Mais un homme formidable comme ça. Et il va tout perdre. Regarde comment un homme si simple. Regardez. C'est pourquoi j'ai commencé par ça d'abord. Regardez. Job, écoutez-moi. Écoutez, il faut que votre cœur là s'ouvre à Dieu. Job 3. Regardez ce grand homme-là. Regardez sa déclaration après les déboires et les déboires. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce que Job craignait? On a décrit l'homme, il est riche, le plus riche. Il a 7 enfants. Il a des animaux partout. On le décrit. L'homme le plus riche. L'homme qui craint Dieu. Tout. Et voilà, il dit ici, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Monsieur Job, qu'est-ce que tu craignais? Quand tu allais à la synagogue, tout le monde dit, papa Job est arrivé. Maman Job est arrivé. Quand tu vas, tu fais des sacrifices pour tes enfants. Donc, le problème, il faisait tout ça, pas par amour pour Dieu. Non. Par peur que s'il ne fait pas ça là, le malheur va lui arriver. On croit qu'il aimait Dieu. Il craignait Dieu parce que se disait, s'il ne craint pas Dieu, s'il ne fait pas de sacrifices, il va tout perdre. Effectivement, sa peur a amené qui? La peur est liée à qui? La foi amène qui? Tu ne peux pas faire autrement. Si elle a peur, Satan vient.
Il te pose la question. Quand tu poses la viande pourrie, c'est toi qui appelles les mouches. Est-ce que tu sais d'où les mouches là viennent? Dans ta maison, il n'y avait aucune mouche. Aucune mouche. Brusquement, il y a la viande pourrie. Je ne sais pas quel odorat ils ont. Est-ce qu'ils ont un odorat de 5 km? Je ne sais pas. Mais au bout de quelques minutes, de tous les côtés, les mouches de toutes catégories sont là. Dieu les a créés aussi comme ça avec un odorat pour les choses pourries. Donc la peur attire Satan et ses démons. Tu n'as qu'à prier comment? Tant qu'il y a la peur, Satan va venir. La peur. Et la peur provoque. Écoute. Et si tu dis dans Job 1, tout ce qui est arrivé là, tout ce qui avait à Job là, qui a fait? Qui s'est présenté devant Dieu pour réclamer? Il s'appelle qui? Satan, non? Pas ce temps-là. Oui ou non? C'est le visiter. Pourquoi Satan a pu se présenter devant Dieu? Bah, Job lui a ouvert la porte. À Job la peur. Chaque fois que tu as peur, tu donnes accès à Satan pour qu'il t'attaque. Et Dieu ne peut rien pour ça. Écoutez-moi, hein. Tu n'as qu'à aller prier là où tu veux. La peur. Les choses, tout ce dont il avait peur là, de perdre ses enfants, ils sont morts. De perdre ses troupeaux, les troupeaux sont morts. Tout ce dont il avait peur là, tout s'est passé. Il avait peur d'avoir une maladie, un cancer. Cancer, le cancer est venu ulcère. Il s'est gratté avec les choses. Ce dont tu as peur là, c'est ça que tu attires sur toi. Si tu ne changes pas de pensée, toi tu pries, tu as peur. Dieu dit, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous vous dites, quand vous allez manquer de vêtements, vous allez manquer de nourriture. Dit, ah bon? Non, je ne suis pas votre berger alors. Non, tu es votre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le même David dit, il dit le juste là, le juste là, les lionceaux ont faim, mais le juste manque de. Depuis que lui est petit, il a grandi. Malgré les problèmes du juste, malgré ses difficultés, lui n'a jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la foi. On voulait lapider David. Ces vaillants guerriers ont ramassé des cailloux. 400 vaillants commandos. David les a formés. David sait qu'il ne peut pas échapper à ces commandos-là. Il peut pas. C'est lui qui les a formés. Ce ne sont pas deux, hein. Il y a 400 qui sont avec des cailloux. David même... Ses deux femmes sont parties. Ses enfants sont partis. Ses biens sont partis. Lui-même, il est découragé. Comment David a renversé la situation? On dit qu'il s'appuie sur l'Éternel. Lis les psaumes de David. Tu vois, s'appuyer sur l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Pour renverser la situation. Quand les situations sont là, que faites-vous pour les renverser? Que faites-vous? À la fin, Dieu était fâché contre Job. Il dit, mais on te prenait pour un gars bien. Mais dis-moi, quand j'ai créé les crocodiles, où étais-tu? Tu es arrogant comme ça, là. Que toi, tu sais si ou c'est là. Et puis Dieu est fâché contre Job. Lise ça à partir de Job 34-35. Il dit, réponds-toi maintenant. Hey, réponds-toi. Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Je me réponds, Dieu dit, réponds-toi. Moi, je t'ai vanté devant Satan. Et tu as baissé ma tête comme ça. Là, en te plaignant. En te disant que toi, tu ne voles pas. Que toi, tu ne passes ici. Faut pas et la peur a ruiné toute ta maison. Tu l'as bien, moi, faut ça qu'on n'a pas.
C'est pas que Satan est fort. Parce que tu as ouvert la porte, il a ruiné tout ça. Répands-toi. Rejette la peur. Il y aura un nouveau départ pour toi. Comprenez? Il y a un nouveau départ. Quand il a reconnu sa peur, il a reconnu qu'il a condamné Dieu. Il a reconnu qu'il était fier, arrogant. C'est en ce moment que Dieu l'a restauré. Il y a des situations, on va le voir après. Le premier élément, c'est la peur. La peur. Alors, si ça c'est le premier élément, le premier adversaire de la foi. Parce que c'est une foi négative, la peur. Regarde, la peur est les maladies cardiovasculaires. Il n'y a pas un médecin dans le monde qui va me dire qu'un homme en bonne santé, brusquement il a peur et peut mourir. Il n'y a pas, y a même pas de maladie, c'est la peur qui le tue. Oui ou non? Hein? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est assis, il n'est pas malade, on lui donne une mauvaise nouvelle, il a la diarrhée sur place. Est-ce qu'il a mangé quelque chose? Hein? Qu'est-ce qui lui a créé la diarrhée là? La peur. Non, je vous parle sérieusement. C'est une affaire de médecine. La peur. Luc 21. Dieu parle de ça des temps de la fin maintenant. Là. Et vous amusez, vous asseyez pour faire peur les uns aux autres. Luc 21, 26. Dieu vous a déjà parlé de ça. Ok. Bon, je vais ouvrir. Luc 21, 26. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il dit, dans les temps de la fin là, qu'est-ce qui va se passer? 21-26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Simplement au bruit de quoi? Il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. C'est ça actuellement. Et les journaux participent à ça. On a entendu qu'il y a des terroristes là. Tout le temps, les gens parlent. La Bible dit qu'on dit ça. La Bible vous a déjà prévenu. Vous vous appuyez sur ce que les journalistes disent. Ça vous regarde? Les journalistes de Dieu ont déjà parlé de ça. Quand il y aura la terreur partout. Et que les gens vont avoir des crises. Regarde 1 Samuel 25. Regarde les effets de la peur. Même sur les hommes de Dieu, regarde. Frère, 1 Samuel 25. Et au verset 26. On est venu dire au sacrificateur Élie que ça ne va pas. L'armée est partie à la guerre, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Comment on va faire? Il avait des problèmes. Et là, on vient lui dire maintenant qu'on a pris son cœur battait, son cœur battait. Son cœur a commencé à battre. Quand on avait lui dire qu'on a pris l'arche, ça a été le coup mortel. Le sacrificateur est tombé raide mort. Il avait sa belle-fille qui entend les deux belles-filles. Il entend que les deux filles, les deux fils là, du sacrificateur sont morts. Il y a une des femmes là qui accouche sur place, la peur l'a fait accoucher. La peur a provoqué les douleurs d'enfantement. La peur est une force négative. Regardez sa force. Elle fait accoucher des femmes. C'est plus que tous les comprimés et les piqûres que les femmes font pour qu'une femme accouche là. La peur fait sortir l'enfant, mais l'enfant n'est pas vivant, la femme aussi n'est pas vivante. Regardez la peur. Si vous ne contrôlez pas, la peur c'est lié à quoi? À vos sentiments. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous touchez. Si vous ne contrôlez pas ça, vous pouvez avoir les meilleurs médicaments. Avaler les meilleurs médicaments. Ça ne change rien.
Les médicaments, c'est la gestion du corps. Est-ce qu'il y a un médicament comprimé contre la peur? Il y a un comprimé contre la peur. C'est nous qui vous donnons. Nous vous donnons ces comprimés, vous ne voulez pas. Vous nous méprisez. Chrétien, je vous donne la solution, vous ne voulez pas. C'est le problème. C'est le problème. La foi. Élie est mort, sa fille est morte. Élie qui aimait, mais parmi qui aimait. Quand tu lis dans beaucoup de passages, jusqu'à tel point. Alors Dieu dit que la peur est un péché. Les gens ne savent pas que la peur est... Regarde, si tu continues à la peur là, regarde où tu vas aller. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21. Le dernier chapitre de la Bible. Apocalypse 21. Lis avec moi mon frère, l'avant-dernier, chapitre 21. Et au verset 7. Il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. On parle des vainqueurs. Le verset 8 maintenant. Regarde. Mais, là, écoute maintenant. Pour les lâches. Les lâches. Les incrédules. Les abominables. Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les lâches, dans la version, il est dit les peureux. Ce sont des péchés. Ah, mais moi je croyais que c'est l'adultère. Regarde mon ami. L'incrédulité est liée à la peur. Qui dit peur dit incrédulité. Il dit, qu'est-ce que les attend? Les menteurs. C'est l'étang ardent de feu. Donc l'affaire de peur là, c'est pas une petite affaire. La peur là, c'est traiter Dieu de menteur, qu'il est incapable de me sécuriser, il est incapable de me bénir, il est incapable de relever ma vie, il est incapable de me sanctifier. En ce moment, Dieu dit, que viens-tu faire avec moi? Car sans la foi, il est impossible que tu me sois agréable. Regarde. Donc tu vois. Donc quand on voit Nabal. C'est la peur qui a arrêté son cœur. La peur a arrêté une crise cardiaque nette. La première source de mort dans les États occidentaux, c'est les crises cardiaques, les AVC, les quoi, c'est ça. Occident thème ça fait pipi boum on connaît des idées sur un yalade wal. Tu vas trouver des rares cas de palu. Il meurt aussi en grand nombre que les paludiens. Là-bas, mais qui de voir ton palu en cours n'est pas né tout ce n'est crise cardiaque. Si vous qui la peur. Rabiement, y a la courbe. C'est ça les sources. Il y a pas un seul médicament. Je veux parler à tout le monde. Tu as beau écoute mon frère. Quel est le bambi gars? Écoute-moi. Les docteurs sont là. Docteur Dambé Kabouawa. Voici quelqu'un qui est assis. Tout le temps, on lui dit que
crise cardiaque a tué son père, son grand-père et tout. Un jour, il a quelques petits problèmes. Il est entretenu dans sa tête que lui aussi va mourir de crise cardiaque. Pourtant, il n'a rien. Simplement, il a fait un faux mouvement où il a fait, donc il a quelques petites palpitations. On appelle un docteur pour venir prendre sa tension. Dès qu'il s'assoit, que le docteur enlève le tensiomètre. Quand on met ça, sa tension va à 20. Tension roule maintenant pis. Et ce docteur là, au lieu de savoir, c'est ça parfois ça m'énerve. Au lieu de savoir que la peur a créé que la tension est montée, il dit tu as hypertension. Il déclare que tu as hypertension. Qui t'a dit ça? Quand ça va le forêt? On a dit à un malade aux États-Unis. Il attendait le verdict. Quand ils sont venus dire, tu es condamné à mort. Sa tension est montée à 30. Tension roue maintenant puissant. Mais il n'est pas mort. La paquet quoi? 30 d'un seul coup. Puissant, vous gourou quoi? L'alouya. L'hypertension, c'est quand la tension est prise au temps normal dans le repos et qu'il est élevé, c'est ça l'hypertension. La tension change dans la journée. Le matin, ça baisse. Vers midi, toi, ça monte, ça remonte, vers le soir, temps. Et la tension monte en hiver plus qu'en été. La tension monte avec l'anxiété, la peur et toutes ces choses-là. La tension, ce n'est pas une seule chose qu'on peut maîtriser d'un seul coup. Il y a plein de gens en bonne santé qui meurent brusquement de crise cardiaque. Alors qu'ils n'ont aucune hypertension. Quand vous êtes dans le stress en permanence, vous créez. Vous comprenez? La peur. La peur tue votre avenir. La peur vous projette toujours que vous allez mourir. La peur entrape les entrailles des pères et des mères que. Des femmes que leur mari va mourir. On ne sait pas pourquoi tu penses que ton mari va mourir. J'ai le pressentiment, non. Ce n'est pas un pressentiment. Dieu ne te dit que ton mari va mourir. Quel est ce Dieu-là? C'est ta peur qui dit que tu vois ton mari qui est mort. Tu vois tes enfants morts. Et ils sont assis près du téléphone. Maman, mais va travailler un peu. Non, non. Pourquoi tu es assis à côté du téléphone? Mon mari a voyagé. Comment ce n'est pas où? Il y a un accident aujourd'hui. Tu es en train de provoquer la mort de ton mari. La peur. Paralyse vos vies. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. La peur du chômage. La peur du lendemain. La peur du lendemain. La peur du candidat-on. La peur. La peur. Jésus, 360 fois dans la Bible, il a dit ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. La peur enlève la foi. Tu crains la faillite? Tu viens de semer une semence pour la faillite. Tu as peur de ne jamais te marier. Tu viens de déclarer que tu seras une vieille fille. Il faut arrêter ça, frère. Il faut arrêter ça. C'est le premier élément que je veux vous parler. Dans la ville, c'est à cause de ça. Les grands et les petits, je les rencontre. Les chrétiens et les non-chrétiens, je les rencontre. Leur problème, c'est la peur. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est la peur. La peur. La plupart des SMS que vous voyez, les gens s'envoient là. Si on fait la collecte des SMS, il y a 90% des choses de peur et que les gens se créent entre eux. Ils se créent la peur entre eux. Rarement de bonnes nouvelles dans les SMS. Pourquoi?
Arrêtez de vous faire peur. La peur, il n'y aura pas de travail. On aura des diplômes, il n'y aura pas de... Comment un homme va s'asseoir? C'est créer la peur lui-même. Personne ne lui a parlé. Il s'est créé la peur. Ah, je vais mourir un jour. Est-ce qu'en me couchant cette nuit, je vais me réveiller? Est-ce que... Vous pouvez vivre avec ça? Vous pouvez vivre ça là? Frères et sœurs? Et ça fait quoi? Je vais vous montrer la suite. Les maladies que ça donne, ça amène l'asthme. Les tout derniers mois, on a découvert que l'asthme n'était pas lié à des choses. Que c'est la peur. La peur! Je peux vous amener des encyclopédies médecins, vous allez voir là-dedans. Il y a plein de choses que la médecine vient de découvrir, c'est lié à la peur, à l'angoisse, à l'amertume, à la rancune, à ces choses-là. Ce n'est pas lié à des problèmes physiologiques, ni à des virus. Ça confirme ce que la Bible dit. Les ulcères. Tu en prends, tu as pris des quoi, anti-acides, quoi, ça vous fait quoi? Rien. Rien. Les jours que la peur là s'en va, tout devient normal. Ne vous entretenez avec la peur. Les enfants qui se font peur. Hein? Quand tu es petit là, on est dans l'obscurité. Oui. On a commencé à avoir la peur là-bas, oui ou non? Et puis les grandes mères là, qui ne sont pas sages, disent que voilà, dans l'obscurité là, si tu rentres là-bas, il y a un démon qui va t'attraper. L'enfant ne peut plus dormir. Quand il est dans l'obscurité, maman, il y a quoi? J'ai vu, il n'a rien vu. C'est ce que grand-mère lui a dit là. Alors quand tu grandis avec ça là, même en devenant grand, c'est pourquoi beaucoup de femmes dorment la lumière allumée. Quand tu éteins, elles vont se réveiller tout de suite. Pourquoi tu éteins la lumière? Elle ne veut pas te dire que c'est la peur. Elle va dire non, moi j'aime dormir avec la lumière, c'est pas vrai, c'est la peur. Parce qu'elle croit que si elle dort, quelqu'un va dire Mais et tu es chrétien, tu continues à faire comme ça. Comment voulez-vous vivre dans la joie? Vous faites peur vous-même. Vous faites peur. Peur. La foi va marcher comment? Elle va marcher comment? Qui t'a dit que c'est le diabète qui va te tuer? Quand tu veux, faut te sucrer. C'est quelqu'un qui a mis dans ta tête. C'est quelqu'un qui a dit ça. Dès que les gens meurent seulement, tu as un diabète qui a tué. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de raccourcir ta propre vie. Est-ce qu'on vit dans ça? Vivez dans ça seulement, unique ça. Hein? Il n'y aura pas de travail ici. Nos enfants vont périr. Vous comptez sur le gouvernement. Quel est le gouvernement qui peut donner travail à chacun? Ça existe dans quel pays? Quel est le pays qui a pu donner du travail à chacun? Peur. C'est le premier élément. C'est un élément très fort. Écoutez-moi. La plupart de vos vies, là, tout est peur. C'est pas autre chose. Baisse ta tête, commence à te repentir. C'est le jour où il y a un souci. La ville ne barre pas. Toi qui es à la télévision, comment ça te repentir? Toi qui es sur Internet, comment ça te repentir? Jésus a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. N'aie pas peur. Je suis avec toi tous les jours. Je t'aime de l'amour du Père. Je t'aime et toi tu dis qu'il ne t'aime pas. Il te dit la peur de la mort. Dans Hébreux 2, il a vaincu la peur de la mort. Mais toi tu ne vis que par la peur de la mort. La peur de la mort, la peur des maladies contagieuses. La peur
peur d'être empoisonné. La peur d'être accidenté. La peur que les voleurs entrent dans ta maison. Tu n'as jamais la joie dans la journée. Dès le matin jusqu'à la nuit. La nuit où tu veux te coucher encore, la peur est là. La nuit tu as peur. Le jour tu as peur. Alors, comment veux-tu être un chrétien dans le repos? Commence à te repentir. Dis à Dieu, j'ai eu plus de foi en Satan qu'en toi. Dis-lui. Parce que la peur a dominé ma vie plus que la foi. Parle-lui. Parle-lui, toi qui as la télévision, que tu sois. Dis à Dieu. Dis à Dieu, je n'ai pas cru à ta puissance, j'ai cru à la puissance de Satan. J'ai cru que Satan est plus fort que toi. C'est pourquoi j'ai peur. J'ai développé la peur en moi. J'ai communiqué la peur à mes enfants. J'ai communiqué la peur à mon mari, à ma femme. J'ai communiqué la peur à mon entourage. Mon langage est toujours un langage de peur. Seigneur, je reconnais tout cela aujourd'hui. Je confesse ce grand, grand péché qu'est la peur. Tu dis que ceux qui commettent ce péché-là, ils ne peuvent pas te voir. Parce qu'ils ont la foi en Satan plus qu'en toi. Élève ta voix, tout ce qui te fait peur, là, confesse ça maintenant. Oh, dis à Dieu. Je comprends pourquoi je n'étais pas heureux, heureuse. Partout, je suis entouré par la peur. Mes pensées, c'est la peur. Partout, c'est la peur. Et la peur crée en moi des inquiétudes. Paralyse ma foi. Et à cause de ça, la parole de Dieu n'arrive pas à agir en moi. Seigneur, je vois aujourd'hui, c'est moi-même qui ai créé cette atmosphère. Je me suis contaminé avec la peur. Et j'ai contaminé aussi mon voisinage. Je change mon langage de peur. Seigneur, je me répands pour les pensées de peur, pour les paroles de peur, pour les actes de peur. Seigneur, oh, je me répands. Je reconnais mon péché. C'est un péché grave. Je le reconnais. Je l'avoue aujourd'hui. Et je prends la décision de m'en détourner. Car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Peur, je te résiste, je te chasse de ma vie. Désormais, je m'appuie sur la parole de Dieu. Malgré les symptômes, les circonstances, les épreuves, je préfère m'appuyer sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est plus vraie, réelle, que ce que Satan me présente. Je change ma mentalité. Je change mes pensées. Je remplis mes pensées des pensées de Dieu, de la parole de Dieu. Je refuse de vivre dans l'atmosphère de peur, d'inquiétude et d'incrédulité. C'est pourquoi ma vie est affectée. Je suis parfois malade. Il y a l'échec. Je suis découragé. Parce que c'est la peur qui amène tout cela. La peur amène l'inquiétude, le découragement, l'échec, les paralysies, les maladies. Mais aujourd'hui, je résiste à la peur qui vient de Satan. Je me soumets à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit qu'il est avec moi. Tu as dit tu es avec moi tous les jours. Même au jour de l'épreuve, tu es avec moi. Au jour du feu, tu es dans le feu avec moi. Quand je traverse les eaux, tu es dans les eaux avec moi. Seigneur, je renonce à la peur. Esprit de peur, je renonce à toi. Tu ne peux plus continuer à me dominer. Tu as gâché ma vie en me mentant que je vais mourir tôt, que je ne réussirai pas, que ma famille ne réussira pas. Esprit de peur, sors de ma vie, sors de ma famille, sors de mes enfants,
Sors de mes pensées. Sors de mes affaires. Sors de mon pays. Esprit de peur. Va dans les lieux arides. Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour, l'Esprit de foi, est en moi. Et à cause de ça, je suis plus que vainqueur. Je peux tout par Christ. Et je suis protégé. Mon secours est en lui. Et il ne m'abandonne pas. Je ne manquerai de rien. Car il pourvoit tous mes besoins. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter du lendemain. Le lendemain surviendra lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis béni. Mes besoins sont pourvus. Ma santé est pourvue. Tout ce dont j'ai besoin, la sécurité, tout est pourvu aujourd'hui. Demain, on verra. Mais aujourd'hui, là, tout est suffisant. El Shaddai est là. Le Dieu suffisant est là. Le Dieu capable est là. Je n'ai pas besoin de voir demain. Demain sera en son temps. Je vis aujourd'hui par la foi dans le Dieu de maintenant, dans le Dieu d'aujourd'hui. Demain sera demain. C'est le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu qui n'a pas changé là. C'est en lui que je vis aujourd'hui. C'est pourquoi, peur, tu quittes ma vie. Peur, tu quittes ma famille. Tu ne vas plus continuer à m'empoisonner. Je refuse. Je te résiste. Satan, toi la source de la peur. Toi le père de la peur. Je te résiste. Car le père de la foi, l'auteur de la foi, l'esprit de la foi se trouve en moi. À cause de cela, je ne peux échouer. Mes affaires prospéreront. Ma guérison est sûre. Ma bonne santé est là. Ma sécurité est faite par toi. Tu es ma sécurité. Ton nom est une tour forte. Je n'ai pas besoin d'avoir peur des bruits que j'entends. Car mon Dieu, il m'entoure. Il est devant moi. Il est derrière moi. Son sang me protège. Je suis en sécurité. J'aspère le sang sur la capitale, sur le pays, sur les frontières, sur les militaires, les paramilitaires, sur les quartiers. Et au nom de Christ Jésus, que tous les plans sataniques soient annulés. Merci Père pour la victoire, pour la protection, la sécurité de ma vie, de ma famille, de ma ville, de mon pays. Merci Père, j'ai foi en toi. Et à cause de ça, j'ai la pleine victoire. Merci Papa. Merci. Mes affaires prospèrent. Quels que soient les plans de Satan, mes affaires prospèrent. Je ne suis pas dans le naturel. Je suis un homme de surnaturel. Mes affaires sont surnaturelles. Les affaires du royaume ne subissent pas les crises économiques. Les affaires du royaume ne subissent pas les situations nationales. Car les situations nationales ne peuvent pas influencer les affaires du royaume. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.